Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important que vous aimez beaucoup en général, c'est l'argent. Soyez les bienvenus à bord. J'avais parlé de ce sujet il y a quelques années, mais beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore sur ma chaîne, donc je me suis dit que j'allais faire une petite mise à jour. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça passe, le paiement, combien d'argent en fait on fait lorsqu'on est hôtesse de l'air ou steward. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir et que c'est un système un peu compliqué, mais ça va vous donner une petite idée si vous allez devenir millionnaire, si vous servez du poulet au départ dans les avions. Alors avant que je vous dévoile mon compte bancaire, je vais me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ça fait 7 ans que je suis chef de cabine je vole essentiellement au-dessus du Pacifique, je suis quand même francophone. Et toutes les semaines, je suis sur YouTube depuis 5 ans maintenant, ça va faire 5 ans dans quelques semaines. Je vous donne un petit peu des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et si le transport aérien est un sujet qui vous intéresse et que vous voudriez en savoir plus, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve sur le côté par ici. Si le sujet de l'argent vous intéresse, mettez un pouce vers le haut et puis vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous savez lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, c'est pas compliqué, ça sort tous les samedis, mais au moins vous serez informé du sujet. Et donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, combien d'argent on fait. Alors vous allez voir d'abord qu'il y a énormément de facteurs qui vont intervenir. La première chose, c'est la compagnie sur laquelle vous travaillez, l'endroit où vous êtes basé sur la planète, bien sûr les types de contrats. Donc d'une compagnie à l'autre, ça va varier énormément. Il y a en général deux écoles. Vous avez l'école où on a un salaire fixe et ensuite on a un taux horaire, si on voyage ou pas. Et puis vous avez une autre école où vous ne payez que lorsque l'avion est en mouvement. C'est-à-dire que tout le reste du temps, vous n'êtes pas payé, mais vous avez un taux horaire qui est plus élevé. Il y a des pros, il y a des gens qui sont pour un système plus pour l'autre, mais en général, la première option, et j'ai de la chance, c'est là où je suis, la première option est celle qui est la plus intéressante financièrement. Avant de parler de montant, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes à mettre dans la balance. Quels sont les avantages? Alors, vous avez beaucoup d'avantages lorsque vous travaillez dans une compagnie aérienne, mais certaines en ont plus que d'autres. Le premier avantage, c'est tout d'abord de voyager moins cher. Alors, là, dans la compagnie où je travaille, lorsque j'ai commencé, on avait des rabais sur ma propre compagnie et sur 3 autres compagnies. Jusqu'avant que commence la fameuse pandémie, on avait accès à une vingtaine de compagnies. Et puis, ne vous pensez pas, ah oui, il est sur SkyTeam, donc il a des rabais sur tout SkyTeam. Ça n'a rien à voir, c'est négocié directement d'une compagnie à l'autre, donc ce ne sont pas des alliances globales, c'est vraiment un autre système. Mais on a accès à des rabais. Alors, les rabais ne sont pas les mêmes partout et ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, je sais par exemple, sur certaines compagnies, les employés vont voyager gratuitement, ne vont payer que les taxes d'aéroport. Ce n'est pas le cas chez moi, on peut voyager, mais on va payer au moins 25% du prix du billet et ça peut aller jusqu'à 75% de rabais. Mais on ne voyage jamais complètement gratuitement. Mais par contre, on a tous les 5 ans un billet gratuit international. Donc ça varie énormément d'une compagnie à l'autre. Sur certaines compagnies, vous avez également accès à des rabais pour votre partenaire. En général, très souvent, vous avez ça, mais en plus, ça peut être des membres étendus de la famille ou des amis. Plus c'est étendu, plus vous avez de billets gratuits pour des amis ou de la famille, plus c'est un avantage que vous n'auriez pas forcément sur toutes les autres compagnies. Moi, j'ai le droit d'avoir une personne qui va avoir les mêmes avantages que moi, que ce soit mon meilleur ami, mon partenaire, conjoint, etc. Mais j'ai également 4 billets par an où ce sont des amis, lambda, mais des amis qui vont pouvoir voyager à condition de voyager et de passer du temps avec moi. Donc, je ne peux pas les donner à n'importe qui. C'est assez réglementé, mais puis ce sont les derniers en bas de la liste de priorité. La plupart du temps, les rabais sont sur des billets en stand-by, c'est-à-dire que vous montez dans l'avion que s'il y a de la place pour vous et si le poids aussi n'est pas en surcharge, parce que parfois la compagnie va transporter plus de cargo que d'habitude ou des choses plus pesantes et donc va sacrifier certains sièges. Et donc certains sièges vont rester vides, mais ce n'est pas parce que le siège est vide qu'on va pouvoir monter à bord. Et puis, vous avez aussi des billets fermes, des billets vous êtes considéré comme un passager normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le billet est émis, vous êtes sûr d'être à bord. Donc ce sont des avantages que certaines compagnies vont offrir et d'autres vont pas offrir. Ce sont des billets qui sont éventuellement surclassables, dans d'autres cas ce ne sont pas surclassables. Donc il y a un paquet de paramètres à prendre en compte si l'aspect voyager moins cher lorsque vous êtes employé d'une compagnie aérienne est quelque chose vraiment qui vous intéresse. On a éventuellement aussi une autre chose à considérer si vous voulez aller voyager, c'est l'hébergement. Donc on peut avoir aussi parfois des rabais sur certains hôtels avec lesquels la compagnie travaille souvent. Ce sont les hôtels éventuellement où les équipages vont lorsqu'ils ont des couchers, mais est-ce qu'on offre aussi des rabais pour les employés lorsqu'ils voyagent à titre privé? Et puis une chose, ça c'est vraiment spécifique à la France, c'est quelque chose que je ne connais pas, je ne suis pas très familier, mais ce que vous appelez les comités d'entreprise, donc CCE, où plus la compagnie, en fait, l'entreprise pour laquelle vous travaillez est grande, plus vous avez des avantages parce qu'ils ont un pouvoir de négociation
qui est plus important. Donc, est-ce que le comité d'entreprise d'une plus petite compagnie va vous donner les avantages qui vous intéressent par rapport à une très très grosse compagnie? C'est quelque chose éventuellement à mettre dans la balance parce que à la fin, ce sont des économies financières. Alors maintenant, on va commencer à parler de salaire et vraiment d'argent qui rentre dans votre compte bancaire. Donc, je vais parler de mon expérience, la compagnie où je travaille. Et une fois de plus, je ne suis pas hôtesse de l'air ou steward, je suis chef de cabine principal, donc je suis en charge de l'intégralité de la cabine et des passagers. Et donc, ben, comme j'ai un niveau de responsabilité qui est plus élevé, automatiquement, mon salaire va être plus élevé qu'une hôtesse de l'air ou qu'un steward qui vient de commencer. Un autre paramètre qui va être très important dans la balance, c'est le type de flotte sur lequel vous voyagez. Est-ce que vous faites du régional? Est-ce que vous faites du court courrier, du moyen courrier, comme c'est le cas avec moi? Ou est-ce que vous faites du long courrier? Donc à l'intérieur, vous allez avoir des contrats qui vont être différents, donc chacun de ces groupes. Et puis en plus de ça, à l'intérieur, par exemple, je vais vous parler du long courrier, il y a certains de mes collègues qui ont commencé il y a 10 ans et plus, ils ont un contrat qui est très différent du mien, avec une rémunération qui est largement supérieure à la mienne. On parle d'un facile de 30 à 40% de plus, et si ce n'est pas plus dans certains cas. Donc, ces employés-là ont de la chance de commencer à l'époque où c'était des anciens contrats et il y avait beaucoup d'argent. Nous, on a été engagés comme équipage moins cher, on est plus cheap, on fait le même travail, on travaille dans les mêmes conditions, dans les mêmes avions, mais on est payé moins cher. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ne vous fiez pas forcément toujours aux grilles de référence que certaines personnes vont vous dire. Ce n'est pas forcément le salaire qui va vous être offert lorsque vous allez commencer. Donc je vais vous expliquer les trois paramètres qui calculent mon salaire et après je vais vous donner les chiffres. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer un petit peu ces paramètres. Donc d'abord, j'ai un salaire de base. Mon salaire de base, c'est 40 heures par semaine. Que je vole ou que je ne vole pas, je suis payé 40 heures semaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines compagnies ont un système qui est complètement différent. Vous ne payez que lorsque l'avion bouge. Moi, dans mon cas, si la compagnie décide de ne pas m'utiliser pour la semaine et de me laisser à la maison au jour avec mon chat, je suis quand même payé 40 heures. Ce n'est pas le salaire le plus élevé, mais c'est ma base et ils ne peuvent pas y toucher. Là où on va rajouter un complément, c'est la deuxième partie, la deuxième composante du salaire, c'est le taux horaire. Donc on a un taux qui va nous être payé à partir du moment où on va actuellement porter l'uniforme et travailler. Cet horaire est défini en fonction des destinations où on va. Donc il y a un taux horaire domestique, il y a un taux horaire pour les États-Unis, il y a un taux horaire pour le Canada, il y a un taux horaire pour le Japon, etc. Basé essentiellement sur le coût de la vie. Je dirais qu'en moyenne, j'ai fait la conversion en euros, le taux horaire va être aux alentours de 4,5 € à 5 euros par heure. Mais ça dépend, il y a des pays où on va où les choses sont très très chères, donc le taux horaire va être plus élevé. Ce taux horaire va commencer une heure avant l'heure du décollage et va se terminer 30 minutes après le dernier atterrissage lorsqu'on revient à la maison. Alors je vous donne un exemple. Si par exemple aujourd'hui je fais deux vols et puis je commence mon décollage est à 8h le matin et mon atterrissage à la maison est à 5h cet après-midi. Mon taux horaire va commencer à 7h le matin, une heure avant le décollage parce que c'est là où je commence le briefing, donc c'est là où je commence officiellement ma journée, jusqu'à 5h30 puisque j'atterris à 5h et on va nous donner 30 minutes de plus pour que les passagers puissent débarquer. Donc ce taux horaire de 4,50 € va être calculé sur cette partie-là de la journée. Là où ça devient intéressant, c'est si j'ai un voyage, c'est-à-dire si j'ai des découchés. Par exemple, je pars sur Hawaï et puis je vais passer deux nuits là-bas parce qu'on n'y vole pas tous les jours et puis je vais revenir. Et bien ce taux horaire va continuer même la nuit pendant que je dors. Donc une heure avant que je parte pour Hawaï, au moment où je rencontre mon équipage avec qui je vais aller à la plage, ce taux horaire va commencer. J'ai la première heure avant l'embarque qui va comporter l'embarquement. J'ai les 5, 6, 7 heures de vol, peu importe là où vous basez, jusqu'à Hawaï. Après, j'ai tout le temps de l'aéroport à l'hôtel et le temps que je vais avoir pour me reposer, pour dormir, pour aller manger, pour faire des activités touristiques, etc., qui va continuer dans le compteur. Puis après, retourner à l'aéroport, revoler jusqu'à la maison et 30 minutes après l'atterrissage. Donc, si vous êtes parti pour 48 heures plus le vol aller plus le vol retour, à 4,50 € de l'heure ou 5 euros, ça commence à faire un petit peu d'argent. Le gros avantage, c'est que cet argent, il vous est payé directement en argent liquide, en argent comptant, à l'hôtel lorsque vous arrivez. Je sais que certaines compagnies, c'est un peu différent et on vous donne une genre de carte de crédit et puis on va mettre cet argent en crédit sur cette carte de crédit, donc vous ne pouvez pas dépenser plus. Nous, dans notre cas, on vous donne de l'argent comptant. Cet argent n'est pas taxable, donc c'est un point très important, parce qu'il est censé être là pour vous payer vos repas lorsque vous êtes en escale. L'hôtel est toujours payé. J'ai jamais entendu parler de compagnies qui ne payaient pas l'hôtel. Peut-être que certaines low cost ne le font pas, mais en général, l'hôtel est toujours payé. On a une chambre individuelle, donc c'est la compagnie qui va payer ça. Mais par contre, nous, nos repas ne sont pas payés, donc on nous donne cet argent pour payer nos repas. Donc on est censé dépenser cet argent à l'étranger, et comme on ne le ramène pas à la maison, on n'est pas imposable dessus.
évidemment, il reste toujours un peu de monnaie. On ne va pas en trop élaborer là-dessus. Mais, et puis, bah, je ne suis pas obligé d'aller dans des restaurants. Je peux m'amener des fois mon propre manger avec moi. Et puis, utiliser cet argent pour aller visiter des musées, pour louer une voiture, pour me payer du magasinage de Noël, des cadeaux de Noël, etc. Mais en théorie, cet argent n'est pas censé être ramené à la maison. Et puis, quand on parle d'horaire de décollage et d'atterrissage, c'est quelque chose que vous avez peut-être en train de parler, ce qu'on appelle les on-block et off-block. Donc, lorsque l'avion est garé avant de partir, il y a des gros blocs de bois qui sont mis devant les roues. Et bien, lorsqu'on va les retirer, c'est-à-dire que l'avion va commencer à bouger, on est off-block. Et puis, lorsque l'avion se gare à l'atterrissage et qu'on va mettre ces blocs de bois, on est on-block. Et c'est ça qui est utilisé comme heure de départ et heure d'arrivée. Donc, lorsqu'on vous dit que votre vol décolle à 8 heures, en théorie, 8 heures, on va retirer ces blocs de bois. Et lorsqu'on vous dit que votre avion atterrit à 5 heures, il arrive à la barrière, à la porte, et on va mettre ces blocs de bois. Donc 8 heures, c'est pas l'heure où vous embarquez dans l'avion, vous êtes déjà assis, les portes sont fermées, et les ceintures sont attachées, et l'avion commence à bouger. Donc petit rappel, quand on vous donne des horaires aériens, et nous, notre taux horaire est calculé par rapport au off-block et on-block. Donc pour mes collègues qui sont payés seulement au taux horaire, qui n'ont pas salaire de base, ils ont un taux horaire qui est plus élevé, mais qui va calculer justement ces périodes-là. Par contre, je ne suis pas sûr que leur découché soit toujours payé. Ça doit vraiment changer beaucoup d'un contrat à l'autre. Et puis, il y a une troisième composante dans le salaire qui est plus minime, mais qui est quand même important. Je vais appeler ça les extras. Je vais en lister quelques-uns, je les ai écrits parce que je les oublie. Donc, tout d'abord, notre uniforme, on est censé nettoyer, on est en charge de nettoyer. L'uniforme doit être nettoyé avec un nettoyage à sec, donc ça a un coût. Moi, de mémoire, je pense qu'on doit toucher à peu près 15 $ ou 18 $ par 2 semaines, puisque nous, on est payé aux 2 semaines. C'est pas énorme. Moi, je vous dirais que mon uniforme n'a jamais été chez un nettoyeur. Je le mets dans la machine à laver en mode laine, et puis je l'étends sur un étendoir, et ça fait très bien le boulot, et cet argent là il reste dans ma poche, mais en théorie on est censé le mettre au pressing, au nettoyage à sec. Certains contrats vont avoir du temps supplémentaire, en fait la plupart des contrats, donc dans mon cas jusqu'à 14 h, je suis payé à mon taux horaire normal. À partir de 14 h, entre 14 h et 15 h, dans ce cas là je vais avoir un bonus de 50 $, entre 15 h et 16 h c'est aussi 50 $, mais au delà de 16 h, après je passe à des barrières de 16 h à 17 h, je touche un 100 $, etc. Donc on a des vols, du moins avant la pandémie on avait des vols qui allaient au delà de 16 h, donc on savait qu'automatiquement on touchait cet argent là mais très souvent j'ai fait des vols de journée de 14 h 30, et puis automatiquement je touchais ces 100 $ parce qu'on avait dépassé la barrière des 14 h, le compteur des 14 h. Donc ce sont des paiements supplémentaires, et une fois de plus c'est négocié contrat par contrat. Dans mon avion, il y a certains agents de bord qui sont sur un contrat qui est différent, qui est plus ancien, et eux vont toucher beaucoup plus. Donc, et des fois ça se déclenche à partir de 12 h au lieu de 14 h. Donc tout ça c'est vraiment dans les contrats, c'est assez complexe. Certains contrats également vont avoir des allocations de repas lorsqu'on est à bord, puisqu'on ne peut pas cuisiner. Et ce que je trouve un peu bizarre, c'est parce que là où je travaille, dans certaines routes, sur le long courrier, la compagnie va nous fournir des repas à bord, mais en plus, ils ont le droit de faire une demande pour une compensation pour les repas du déjeuner et du dîner. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais en attendant, pour eux, ça fait beaucoup d'argent. Je peux vous dire que quand je devais signer ces feuilles de temps-là, ça faisait beaucoup d'argent pour eux, mais c'est pas le cas partout. Et c'est quelque chose qui a tendance un peu à disparaître. Mais c'est quelque chose qui existe et ça fait de l'argent supplémentaire dans les extras. Et puis quelqu'un m'a dit qu'il était payé des heures de nuit. Chez nous ça n'existe pas, mais ça doit exister sur certaines compagnies. Donc si vous faites des heures de nuit, vous avez peut-être un taux horaire qui va être différent. Mais ça je ne peux pas m'avancer parce que je ne connais pas trop. Mais tous ces petits extras là, ça ramène de l'argent. Alors maintenant on va faire l'addition ensemble. Donc j'ai converti mon salaire en euros. Et puis après je vais vous donner le total en dollars canadiens pour vous donner une petite idée pour que ça vous parle plus. Une fois de plus, avant de libérer ces chiffres, c'est spécifique à ma compagnie, et à l'intérieur de ma compagnie, c'est spécifique à mon type de contrat. Donc tous mes collègues ne touchent pas la même chose. Certains d'entre eux qui voyagent depuis longtemps touchent beaucoup plus. Et quand je dis beaucoup plus, on est un bon 30 à 40% supplémentaire pour le même travail. Hein. Mais bon, je suis content, je fais un boulot que j'aime. Et puis, je vous dirais que il y a beaucoup de gens qui font ce métier parce que ils ont toujours envie de le faire. C'est une passion, c'est quelque chose, un rêve éventuellement qu'ils avaient lorsqu'ils étaient plus petits. Et je ne veux pas manquer de respect à mes collègues qui travaillent chez McDonald's, mais souvent on a moins le rêve de travailler chez McDonald's, alors que le rêve d'être hôtesse de l'air ou steward, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants vont avoir. Donc on est parfois plus prêt à accepter certaines conditions que sur un autre travail. Mon salaire de base, j'ai arrondi à peu près, mais c'est à peu près 39 000 euros annuels. Nous, on est payé aux 2 semaines, mais total sur l'année, c'est 39 000 euros. Donc ça, ce sont mes 40 heures semaine, que je vole, que je ne vole pas. Je vais avoir ça qui va arriver dans la banque.
après mes allocations, donc cet argent comptant non taxable que je vais avoir, va toucher à peu près éventuellement 6000 euros par an. Donc c'est bon en balance, c'est toujours un petit peu plus d'argent, mais une fois de plus, c'est pas taxable, donc ça c'est un bon avantage. Et puis les petits extras, alors j'essaie de regarder un petit peu, faire des additions sur mon salaire avant que la pandémie commence, mais il faut compter à peu près 1100 euros par an. Donc à peu près sur l'année, on va dire globalement, ça fait 46 000 euros pour mes amis au Canada, et bien ça fait à peu près 68 000 dollars canadiens, c'est le salaire du chef de cabine. Donc ça vous donne une petite idée à peu près. Bien sûr, c'est un salaire de chef de cabine principal, le salaire d'une hôtesse de l'air ou d'un steward qui vient de commencer va être beaucoup plus faible, mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à avoir avec la seniorité. Je sais que nous, les contrats, après d'un an, on commence déjà à passer sur l'échelon supplémentaire en termes de salaire, etc. Donc après, il y a des augmentations qui se font de manière régulière. Voilà, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Pour ceux qui aspirent à devenir éventuellement un hôtesse de l'air, un steward, ou comme on dit chez nous au Canada, un agent de bord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est facile, c'est Victor Voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, ça me fera plaisir. Et puis, à peu près en général, tous les 3-4 mois, je fais un live sur Instagram. Ça me permet de vous voir parler avec vous et de vous voir en vrai. Donc je vais regarder quelle date on va faire et puis on va annoncer, justement l'annoncer la semaine prochaine et je donnerai au moins une semaine. Donc ça va être à peu près d'ici 2 semaines, on va s'en reparler. Je vous souhaite une très bonne semaine, passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances et puis à bientôt, salut.